si vous souhaitez profiter de l'occasion pour créer des univers complètement invraisemblables, loufoques et près évidemment de la nature, de l'océan, Foghorn. Donc, c'est une proposition en format DS, Descent Sampler, que j'ai pris sur PianoBook, tout à fait gratuite. C'est une belle collection, effectivement, de sons, de timbres qui rappellent la froideur de l'océan avec ses vagues, le vent, tous les éléments qu'on retrouve ici. Vous les voyez donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments qui correspondent à différentes captations. Donc ici, on peut avoir le vent, les bruits marins, des bruits mécaniques. Et évidemment, après ça, on a les carillons des horns là, qui sont ici, qu'on peut actionner directement en appuyant sur ces touches vertes. Donc des appels. Ici, on a comme des sons de bruit de pas de mécanique dans l'air, dans l'espace. Ce qui est impressionnant, c'est vraiment la richesse, la profondeur du timbre. Après ça, ici, vous avez différents, on retrouve différents ajustements. Le tone, qui est un filtre, finalement, pour nous enlever un peu les aigus. Le MVOL pour Master Volume, le reverb qui est ici. FX pour les effets, le wind, donc pour le vent. Et après ça, on a une sélection ici de différents éléments qui correspondent à des échantillons. Il aurait été intéressant de peut-être d'avoir un petit accès en quelque part pour nous aider à comprendre. Bon, le premier, tiens, si je les baisse tout, vous allez voir. Tiens, j'enlève le volume de chacun pour ne garder que le deuxième. C'est donc celui-ci. Donc, c'est un son, sonorité qui est très dynamique, qui change tout le temps. Je reprends le troisième. Donc, un son plus près de la machinerie. Le premier ici. Je vais aller chercher le quatrième. Cinquième ici. Donc ici, vraiment, l'eau est présente là, dans celui-là. Le son de l'eau. Exceptionnel. Et à la droite, on retrouve l'attaque, donc pour ADSR, Attack Sustain Decay Release, donc avec l'attaque ici et la release ici en tout en bas, et Dynamic Range qu'on retrouve au centre. Avec tous les éléments, tous les effets qui correspondent finalement autant à l'eau, les vagues, les bruits marins, que l'intérieur de l'espace d'enregistrement où on entend les moteurs, on entend des bruits de pas. Et évidemment, après ça, avec les horns, donc les qu'on retrouve ici au niveau du volume, les sirènes de bateaux.
Je trouve que celui-là, le do aigu, nous amène une ambiance presque tonale, en fait, avec une référence harmonique qui est vraiment bien ciblée. Maintenant, deux notes, on a les sirènes de bateau, on a tout l'ambiance. Je suis allé chercher le do grave ici. Vous voyez la richesse, la profondeur du timbre. Foghorn, donc les sirènes de bateau, avec les bruits marins, les bruits d'ambiance à l'intérieur du bateau, de la salle de mécanique, si on veut, avec les bruits de pas. C'est une belle proposition qui vient du merveilleux site Piano Book, à l'intérieur duquel vous trouverez des sons, des instruments virtuels qui vont de la flûte à contrebasse, avec toutes sortes de propositions un peu comme celle-ci, un peu inusitées, hors normes. Je dirais qu'on ne trouve pas ça, c'est pas très fréquent ce genre de proposition. Et donc, tout à fait gratuite sur le site Piano Book, en format DS, qui est un lecteur effectivement gratuit, qui est autant lisible pour PC, Macintosh, peu importe l'environnement, puisqu'il est autonome. Moi, je l'ai ouvert ici avec Logic, mais on aurait pu être avec Ableton ou peu importe, Digital Performer. C'est une belle visite que je me suis fait récemment via le site donc Piano Book pour effectivement encore là la découverte de l'intelligence, l'ingéniosité, l'audace, le partage et la générosité de tous les gens qui contribuent à ce magnifique site qui nous ouvre vers l'écoute, vers l'audace, l'authenticité, vraiment la découverte. Vous aurez d'ailleurs sous l'onglet des éléments qui vous amènent directement sur le site Piano Book. Je vous souhaite une bonne inspiration et en espérant que votre musique se porte pour le mieux avec aussi la collection de ces timbres tout à fait fascinants. Donc, bonne écoute, à bientôt, au revoir.